Et bonjour tout le monde, c'est Asgard, très heureux de vous retrouver sur FIFA. Ça fait longtemps que j'ai plus fait une vidéo sur FIFA. On poursuit notre carrière avec Pen. Bienvenue en quart de finale de la Croquis Cup, la Coupe de Belgique. Je vous rappelle que je joue Asgard, un milieu offensif central dans le petit club belge de Pen. Nous voici donc en Coupe de Belgique, quart de finale. On joue à l'extérieur face à un adversaire prenable, hein. Saint-Tron, c'est un adversaire de notre niveau, en tout cas cette saison-ci dans le classement. Saint-Tron est deux places au-dessus de nous. Plutôt donc la deuxième partie de tableau. Eupen en noir, Saint-Tron en jaune. Et très franchement, eh bien, c'est peut-être une manière pour nous, cette Coupe de Belgique, de briller. Peut-être un petit peu cette saison. Depuis la dernière vidéo, eh bien, il y a eu une défaite en championnat 0-3 face à Ostende. Je n'y ai pas participé, j'ai pas été convoqué. Ça nous a pas arrangé d'ailleurs cette défaite-là, assez lourde. Et puis après, il y a eu un match d'Europa League que je ne vous ai pas montré. C'était le dernier match de poule, la phase de groupe d'Europa League entre Gênes et Eupen. On a fait 0-0, c'était d'ailleurs un match assez fermé, mais un match dans lequel j'ai été sélectionné, on aurait pu faire quelque chose. Voilà, donc on termine troisième de notre groupe en Europa League, je vous montrerai ça après. Alors que pour la première fois, c'est Rocha qui est aligné en pointe et c'est pas Bolingui. Donc voilà, moi, milieu offensif central. Voilà, je vous montrerai tous les chiffres hein, de la saison à la fin de ce match. Match à élimination directe donc entre Saint-Tron et Eupen. Quart de finale, une place en demi-finale face à un adversaire qui est prenable. On va y croire. On va espérer. Et voilà, c'est parti pour ce match. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Avec directement Eupen à l'attaque, bien devant. Et mon premier ballon. On cherche une solution. Alors va-t-il y avoir un centre? Milicevic essaye de trouver la faille. Et un premier tir qui est contré. Et, dommage. Je pense que c'était pas si mauvais que ça. L'occasion aussi pour moi de tester FIFA sur ma toute nouvelle configuration. Le fameux PC de la NASA, comme disent mes viewers. FIFA reste un beau jeu. Je vais essayer aussi peut-être de me lancer à l'occasion sur Football Manager 2020 qui vient de sortir. La tactique footballistique est un peu mystérieuse pour moi, mais peut-être qu'avec vous, je pourrais m'améliorer. Voilà, l'idée serait de créer une carrière sur Football Manager 2019-20 en partant depuis tout en bas avec un entraîneur pas très doué à la base, en essayant de faire une carrière d'entraîneur et de monter. On en reparlera. Alors qu'ici, il y a une contre-attaque peut-être intéressante avec cette passe qui est pas trop mauvaise. Ah oui. Oh que oui. Oh que oui, c'était beau ça. Et la passe décisive. Ça, ça vaut des points. Vous avez vu ma note qui est montée à 7-7, Mbalo. Et donc, ce quart de finale qui commence bien pour Eupen. On va revoir... on va revoir ma passe, tout simplement. Voilà. En même temps, il y avait un énorme problème de... Enfin, il y avait un trou énorme dans la surface. Et Mbalo qui arrive dans le dos du défenseur 0-1. Ça fait plaisir. Ce que ne faut pas oublier, même si j'aime beaucoup Eupen, évidemment. Mon but n'est pas d'y faire toute ma carrière. Mon but est de faire évoluer le joueur. Et ça fait donc un 0 au tableau. Et ça fait un 0. En tout cas, grâce à une passe décisive de ma part. Alors, ça rentre pas dans les objectifs de la saison. Il n'y a que le championnat qui compte, en tout cas pour le moment, pour moi. Ouais, alors que là, on... Ballon perdu. On survole quand même pas mal. Je rappelle que je joue en difficulté champion. Milicevic. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux.
Oula. Ça a été contré. Qui est rendu au camp adverse. En tout cas, un bon début de match. De peine. Il faut dire que j'ai jamais été très loin dans les carrières FIFA, donc je sais pas très bien comment ça va se passer. Voilà, souvent j'en commençais une, puis je laissais un peu tomber. Là, le fait de le faire en vidéo, bah, ça me pousse évidemment à vous laisser. Oh non ! Mais quelle erreur ! J'ai encore du mal à tirer au but. Je vous assure, j'ai du mal dans la précipitation. J'arrive bien à l'entraînement là, dans les petits jeux. Faut que je marque des buts. J'ai pas encore marqué un seul but cette saison-ci, je pense, pour un milieu offensif central. Ça circule bien. C'est pas ouf. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Un bon ballon qui va peut-être retrouver. Voilà, je sais pas ce que j'ai voulu faire là, mais ça. Je sais pas si. Voilà, j'ai voulu passer, lober, je sais pas trop. Sur un malentendu, tout peut arriver. Quel sang-froid dans la surface sur ce terrain. Bon, allez. Peut-être essayer de se concentrer un peu. Attention à ce corner. Ah oui, le tir, oh, il est beau. Oh, c'était magnifique ce tir. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc on va regarder, c'est Milicevic. Voilà, regardez-moi ça, cette reprise. Et la parade du gardien aussi. C'était un petit peu trop centré sur le gardien peut-être aussi. Ah, il ne faut pas faire de fausses joies pareilles à cet entraîneur. Il y a cru à ce but et c'est vrai que... Ouh là là là, là mais c'est pas terminé, attention. Ça va très bien. Et c'est encore écarté en touche. On domine, hein. On domine, ça fait plaisir. Faut peut-être en profiter. En football, ça peut vite basculer, comme dans tous les sports, évidemment. Essaye de trouver la faille. Il prend sa chance. Ah, dommage. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Au moins, ça aurait fait un tir un peu mieux qu'un simple tir à ras de terre. Ah, et ça passe. On va se rassurer en disant que ça passe pas loin. Mais en tout cas, grâce aux entraînements. Mon personnage évolue, hein. Je vous montrerai aussi un peu ses stats. Attention, ce petit jeu de jambes là, ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans le camp de peine. Alors, on va essayer de dégager ça. Voilà. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Tout compris. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Ah ouais, pas de faute. Ok. Et pas de faute. Non, c'est un peu moins heurté. 7,8, c'est un meilleur match, je crois. Un ballon pour l'adversaire. Aussi, superbe interception. On verra, il y aura sûrement un mercato en hiver. On est à mi-saison, là, à peu près. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Concernant le jeu en ligne aussi, Football Ultimate Team, etc., je décide plus trop y jouer. Pas accroché spécialement à l'expérience et puis j'ai envie d'avancer dans ma carrière. Je suis sur tellement de jeux à la fois que je peux pas faire de mode de jeu en une fois. On verra plus tard ce qui est possible de faire. Dommage. Ah bon. J'ai pu la récupérer. Timing incertain. Il gagne quelques mètres. Et ce centre qui n'est pas parti bien loin, contré. Alors même si cette vidéo sur FIFA est pas celle qui fonctionne le plus sur la chaîne, hein, c'est pas la série qui fonctionne le plus. Sûrement je suis sur les jeux qui fonctionnent bien, Planet Zoo, Prison Architect, évidemment sur YouTube. Je continue, voilà, je fais pas trop attention au nombre de vues, merci aux fidèles qui me suivent. Je suis juste content de partager ça avec vous. Et puis on verra. Je ne prends pas trop la tête là-dessus. Ouais, toujours aussi précis. Oula. Oula, quelle passe. Le centre en retrait. J'ai encore du mal. Il faut vraiment que j'appuie un peu plus longtemps et que j'arrive à cadrer mes tirs. Mais l'idée était pas mal. Ils ont quand même une défense en carton. Hein. Saint-Tron, je veux pas être méchant avec eux, mais on passe assez facilement. Voilà, on est très talentueux. Ouais, c'était aussi joli ça. Un tir complètement raté. Miramar. On gâche un peu, hein. Une domination comme celle-ci,
On devrait quand même avancer. Enfin, mener au score plutôt, un peu plus facilement. L'interception, elle est là. Ok. Pas mécontent. J'ai toujours du mal avec la finition. Je suis pas mécontent de mon début de match. Open, c'est pas mal aussi. Voilà, on domine bien. Faire gaffe, ça reste que 1-0. Alors que dans les autres résultats, le club de Bruges atomise la Gantoire. Anderlecht standard, le classico, c'est 0-0. Les Udvaruga même perdu par Genk. Je dirais que pour le moment, eh bien, les leaders se portent bien. On verra entre Anderlecht et le standard ce que ça donnera. Que des commentaires positifs de l'entraîneur. On reprend le match. C'est parti. C'est reparti ici avec le coup d'envoi de cette seconde période. Les joueurs ont eu un peu le temps de souffler. Puis surtout, l'entraîneur avait dû rectifier les petites choses qui n'allaient pas en première période. Dommage que ceci n'ait pas été plus loin. Alors, le ballon est perdu. Ils ont bien coupé les espaces. Oula, 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 oula. Oula, Coles. Il risque de prendre un jaune. Je ne... Ouais. Bah ouais, c'était une sacrée faute. Mais c'est pas grave. Ah oui, attention, attention à ces ballons qui peuvent traîner. Attention à ce but égalisateur. Alors, ce fameux gardien et sa manière de temporiser dans la surface. Moi, je vais éviter de prendre trop de risques. Encore un bon ballon. Ah, dommage. Je dis que j'évite de prendre trop de risques et je fonce sur le premier défenseur que je vois. Aïe! Il y avait peut-être hors jeu. Je n'en sais rien. Ça part bien, action dangereuse. Bonne intervention du défenseur qui a écarté. L'idée était pas mal, mais j'étais quand même un peu encerclé. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah, j'ai cru qu'il... Enfin, il y avait quand même moyen de jouer avec moi là, mais ils n'ont pas répondu suffisamment tôt à mon appel de balle. En tout cas, ça s'est pas passé. Donc, je souhaitais que ça se passe. Attention là, en attaque, Saint-Tron se réveille un peu quand même. Hein. En tout cas, on est peut-être moins actifs nous devant. Du coup là, le jeu paraît un peu plus équilibré, mais peut-être aussi avec plus d'espace. Ah, dommage. 7-7. Je surveille aussi moi mon état physique. Mais ça va. Ma condition physique. Ouais, voilà, ça c'est bon ça. Ouais, bien vu le centre en retrait. Oh, c'est contré ce tir. Ah, dommage, j'ai pas du tout voulu faire ça. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon. Ah, le tir. Ah, il s'en veut d'avoir raté ça. Je tente beaucoup, j'essaye beaucoup. Que le match. Ah, c'était pas. Oui, je. C'était pas si mauvais que ça. Un beau tir qui vient de loin, qu'on a envie de. Voilà. Quand même fait 6 tirs. 6 tirs contre 1. Et dans cette Coupe de Belgique, eh bien, on n'est pas si mal. Hein. Mais attention. Attention, une erreur défensive. J'aime pas me. Et on regrettera peut-être des occasions manquées en première période. Ouais, c'est un tronc qui va pousser. Le centre. L'ouverture. Et le gardien à la réception de ce centre. Milicevic. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Alors que va-t-il faire? Il s'est un peu enfermé là. Il passe. L'action qui se poursuit. Botaka. Il
Est-ce que Bolingui va rentrer? Est-ce que Bolingui... Voilà. C'est quand même l'attaquant phare de peine, en tout cas. Un petit peu d'espace devant lui. Depuis le début de la saison, ici, sur le jeu. Attention, quand même. Il y a l'avantage. Ouh là là, le coup franc intéressant. 71e minute. Parce que je vous rappelle qu'il a déjà reçu un carton. Et Botaka qui sort. Et deux Reader qui rentrent. Le banc de touche, plusieurs changements à venir. Allez. Attention à ce coup franc. 71e minute. Alors Botaka, c'est pas... Oula ! Alors Botaka, c'était pour Saint-Tron, en fait. Je dis n'importe quoi. Je pensais que c'était notre attaquant de pointe, mais pas du tout. Excellent pressing dans le camp adverse. Ils ont enfin bref. Le feu de l'action. Je me suis trompé. Bref. Attention là. Ça flotte un peu. Alors ils n'ont pas été vraiment dangereux en termes d'inquiéter le gardien. Là si, et voilà. Il suffisait de le dire avec un corner. 75e minute. Être sûr que ce ballon passe bien au-dessus de la transversale. On peut vite regretter les peut-être le manque de concrétisation de la première période. Ok, c'est bon. C'est bien défendu. C'est long ballon qui ne donne pas grand chose. Peut-être qu'ils ont du mal à construire aussi. Des solutions là. Ouais, elle est en bonne position là pour centrer. Ouais, le ballon est dommage. Intercepté, mais ce n'est pas terminé. J'ai tenté un centre, mais c'est compliqué à récupérer. Ça des centres. Ah, dommage. Il fallait intervenir urgemment. Il y avait de l'idée. Attention à cette contre-attaque. Le temps réglementaire. On s'observe de part et d'autre. On tente 81e minute. Le score n'évolue pas. Ah, dans le dos. Il y a hors-jeu. Oh là là, non, il n'y a pas du tout hors-jeu. Et le gardien, par contre, s'est bien interposé. Ah, c'est étendu quand même. Hein. On sent que le danger peut vraiment venir. Obligé de jouer un peu en arrière, là. Attention, je vais conserver ce ballon. On va la jouer vraiment petit joueur là. Ah, dommage. Allez. Et le public qui pousse Pierre, hein. Il ne veut pas voir son équipe perdre. Oui, visiblement il y croit et c'est bien. Ça peut devenir dangereux. Bien repoussé par la défense. Et un corner. Bon voilà, je vais chercher un corner. En fin de jeu, alors c'est pas vraiment ce que je voulais faire. J'y croyais pas trop à mon tir. Je me suis dit autant avancer. Et puis ça a été contré. Corner va faire du bien. Jordi Amat. Ah dommage. C'est intercepté. Bon. Combien de minutes? Allez, deux minutes. Il n'y a pas eu. C'était un match qui n'est pas si ouvert que ça. Attention, cette dernière attaque. Allez, sans doute la dernière opportunité. Il ne faut pas la rater. Ouais, je pense que ça va le faire. Il va. Oula. Il est pas hors jeu. Ouais, c'est sorti. Et c'est la fin du match. Et une équipe qui est bien partie pour se qualifier après cette victoire extrêmement importante à l'extérieur. Oui, ces joueurs ont réussi à se mettre alors, dans les meilleures conditions pour le match retour en s'imposant. Ok, c'est un match en aller-retour. Alors, j'étais pas du tout au courant. C'est difficile hein, dans FIFA de le savoir. Donc voilà, on a été chercher une victoire à l'extérieur bien précieuse à 0-1. Voilà, mais ça c'est tout moi en fait. J'avais pas remarqué que c'était aller-retour. C'était pas aller-retour à l'aller. Mais donc voilà, 0-1. Alors, entre Saint-Tron et Eupen, j'ai l'air un peu malin là. Voilà. Mais c'est quand même une victoire importante. Vivement le match aller, on va aller observer un peu tout ça, un peu observer les statistiques. Si on regarde ici, donc on va regarder un peu, on va mettre ici 1-1 entre Anderlecht et le Standard, donc ça veut dire le Standard aurait été chercher une victoire à l'extérieur, enfin un but à l'extérieur, pardon, pas une victoire.
Donc ça, c'est pas mal. Je suis un peu perturbé par cette histoire d'aller-retour. Effectivement, il y a bien un aller-retour. Il y aura bien donc le match retour que je ferai évidemment sur YouTube. Alors, je ne comprends pas si c'était noté 1-1 entre Sandari et Anderlecht. Là, c'est noté 1-2. Bon, écoutez, je ne pose pas trop de questions. C'est pas grave. Mais donc, Anderlecht a l'avantage. Genk a l'avantage. J'ai l'avantage contre Saint-Tron. Et le club de Bruges a l'avantage face à la Gantoise. Il faudra regarder un petit peu. Alors, les autres compétitions, on vous donnait des nouvelles de l'Europa League. On n'est pas qualifié évidemment pour les 16e de finale. Le Pen a terminé 3e de l'Europa League avec 4 points. C'est pas mal quand même. On termine devant à Marbille avec. En fait, les deux matchs auxquels j'ai participé, ben, on a eu une victoire et un nul. Voilà. C'était quand même pas trop mal. Je pense que j'ai participé face à Séville aussi. Ou face à Marbille. Oh, non, je dis n'importe quoi. Je pense que j'ai participé aussi à certaines défaites, et donc on a ici les 16e de finale de l'Europa League, et je pense pas qu'on soit repris dedans. Non, je sais même pas si j'ai vu passer un club belge. Ah si, Genk face au Dynamo de Kiev, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Dans le championnat, et puis on est 14e, je vous le disais donc. Ça s'annonce, voilà, tout reste encore jouable. On a déjà commencé la deuxième phase du championnat. Voilà, ben écoutez, je pensais que c'était un match à élimination directe. Non, c'était un match aller. On l'a gagné 0-1. C'était sympa. Et vivement la suite, en tout cas, de cette saison. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très 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 bientôt. Non, pas très très bientôt. J'avais dit que je vous montrerais. Je suis un peu désorganisé là. Oh, j'avais dit que je vous montrerais quand même mon personnage un petit peu avec ma progression en tant que joueur. Je sais pas si je peux voir ça quelque part. Je vais quitter l'entraînement ici. Voilà, oui, je peux me voir ici. Non, je peux pas me voir ici. Bon, bah écoutez, sauvegardez vos changements. Non, j'ai pas fait de changement de toute façon. Mon pro, ma carrière, résumé de ma carrière actuelle. Bah voilà, un petit peu. Ce qu'on peut dire, je suis en bonne santé. J'ai joué 14 matchs. J'ai inscrit aucun but. J'ai fait 2 passes décisives. C'est peut-être un peu peu actuellement. Voilà, j'ai un niveau de 67. J'ai quand même pris, ça on peut le voir dans l'accueil, j'ai quand même monté, ma valeur est à 1 900 000 euros, j'ai donc monté de 484%. Quand même pas mal. Bon allez, je vous laisse vraiment ici, désolé pour le côté un peu désorganisé, voilà, je me remettais dans FIFA aussi. Mais c'est pas grave, le prochain match championnat c'est face à Courtrai, celui-là je vous le montrerai pas. On verra la suite du calendrier. Merci à vous, à très bientôt, ciao.